Aujourd'hui, on continue la réflexion autour d'une langue des territoires. Dans la précédente vidéo, j'avais parlé de Yasmina Khadra et Romain Gary et ce qui les distingue, les deux catégories qui les distinguent, c'est-à-dire littérature française et littérature francophone. On est parti du coup du postulat qu'il y a une différence entre la littérature écrite en France par un Français et un Français et la littérature écrite en français par un étranger, ou du moins depuis un territoire éloigné, et notamment quand ce territoire a été anciennement colonisé, ou toujours conquis. Il y a eu plusieurs réactions, donc tout d'abord une réaction qui est venue, enfin un commentaire qui est venu ajouter donc, de l'eau au moulin, en citant Tahar Ben Jilloun. Du coup, je vais reprendre cette citation qui m'a été envoyée. Donc, Tahar Ben Jilloun dénonçait la séparation persistante dans les librairies, les bibliothèques, les universités entre littérature française et littérature francophone. Pourquoi séparer littérature française et francophone alors que par définition, le français est francophone? Est-ce à dire qu'il y aurait deux littératures francophones hiérarchisées, la littérature française supérieure et tout le reste qui pourrait être amalgamé librement? Donc on a ici l'idée qu'il y a une littérature à double vitesse. Ensuite, l'autre réaction est du coup corollaire de cette première idée a été aussi donnée dans un commentaire sous la précédente vidéo qui est-ce que cette discrimination, parce que c'en est une, est-ce qu'elle est propre à la francophonie et au système de l'exception culturelle française? Ou est-ce qu'elle, on la retrouve aussi dans d'autres littératures? Et du coup, c'est ce qui me mène aujourd'hui à parler d'un roman en particulier qui s'intitule « Effacement » de Percival Everett. Donc, ce livre n'a rien à voir avec la francophonie, n'a rien à voir avec le monde méditerranéen. Cependant, je pense que c'est... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un détour... essentiel dans la réflexion pour pouvoir justement mener à bout l'idée. Effacement de Percival Everett, c'est un roman qui est un peu unique en son genre, c'est un peu en apax en quelque sorte. Dans ce roman, on a donc un personnage principal qui est écrivain. Il écrit et il écrit une forme de littérature assez élitiste, assez hermétique, qui s'adresse à des initiés. Jusque-là, pourquoi pas? C'est un universitaire, donc ses productions sont complètement en phase avec le métier qu'il a, avec les recherches qu'il fait. Sauf que il est noir de peau. Et du coup, ce personnage qui est noir de peau, on considère qu'il fait de la littérature blanche, qu'il fait de la littérature de blanc. Et du coup, il n'est pas écouté, ni par les autres initiés comme lui, à qui pourtant s'adresse sa littérature, son œuvre, ni par les personnes... qui ont, on va dire, sa couleur de peau. D'ailleurs, dans ce genre de personnages comme ça, qui sont entre deux communautés, qui sont un peu des formes de transfuge aussi, on peut le rapprocher peut-être du personnage du père dans Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers, où effectivement, en fait, et malheureusement, on voit en fait qu'il y a des communautés qui coexistent dans un même espace, dans un même territoire, mais qui ont différents langages et du coup qui ne se comprennent pas. Et lorsque vous êtes entre ces deux communautés-là, eh bien souvent vous n'êtes compris ni chez l'une ni chez l'autre. Bref. Du coup, ce personnage qui s'appelle d'ailleurs Thelonious Monk, il en a assez. Et un jour, il décide, pour se moquer d'un roman qui a été écrit récemment, et qui est censé raconter le quotidien des ghettos américains. Oui, parce que ça se passe aux États-Unis, je ne sais pas si je l'ai précisé. Pour se moquer de ça, il écrit sous pseudonyme un roman qui s'appelle Ma pathologie, mais avec P-A-T-A-U-L-O-G-I-E. Un roman où vous avez un narrateur, enfin une sorte un peu d'autobiographie, donc c'est un narrateur-auteur, qui a connu la prison, qui est violent avec ses proches, qui ne parle pas correctement, qui parle un langage populaire très outrancier. Et là, bien sûr, ce roman, il est auréolé.
Voilà, ce roman rencontre un réel succès. Hélas, ce qui arrive, du coup, c'est que le narrateur principal, enfin le personnage principal, celui du livre qu'on tient entre les mains, il vit une sorte de schizophrénie, parce que du coup, il se retrouve d'un côté auréolé pour ce qu'il n'est pas, pour ce que les gens pensent qu'il devrait être parce qu'il est noir, et d'un autre côté, il est complètement méprisé, nié, amené au silence pour son côté intellectuel qui est vu comme un côté blanc et qui ne passe pas, puisqu'il est noir. En tant que lecteur, c'est hyper intéressant déjà parce qu'on a un livre dans le livre. J'ai envie de dire que c'est un peu un palude qui se concrétise. Donc je pense au palude de Gide où vous avez un auteur, enfin un personnage qui veut écrire un livre et qui passe tout le livre à dire qu'il écrit un livre. Mais on ne voit pas ce livre, on voit quelques lignes par-ci par-là. Là par contre, non, vous avez réellement le livre qui est inséré dans le livre. Donc on a vraiment les coutures de cet autre livre. Et ça c'est très intéressant, enfin, quand on aime voir les coutures d'un livre, quand on aime voir l'écriture dans l'écriture, ou enfin, la méta-littérature si on veut, c'est hyper intéressant. Et puis ce jeu sur le pseudonyme est aussi intéressant, et là ça me fait penser à Romain Gary du coup, hein, lorsqu'il écrit sous Émile Ajar. Enfin, il raconte cette anecdote d'ailleurs, Romain Gary, il dit que dans une émission radiophonique, vous avez un critique de l'époque ou un journaliste de l'époque qui dit dans la même phrase, qui commence à encenser Émile Ajar en disant que c'est un écrivain de génie qui réinvente la littérature, bien loin d'un Romain Gary bien poussiéreux, quelque chose comme ça. Donc c'est très drôle, hein, la pseudonymie, comme ça peut vraiment permettre... en fait, là, ce que ça montre, c'est qu'en fait, lorsqu'on vous attend toujours quelque part, peu importe ce que vous faites, on va coller à votre production les attentes que nous, on avait. Voilà. Et là, c'est ce qui se passe dans ce roman, dans le roman Effacement de Percival Everett. Et c'est une œuvre nulle qu'il a sortie, vraiment. C'est le personnage voulait, personnage auteur voulait que son œuvre soit... Enfin, c'était une parodie, une caricature, bien loin de la réalité, bien loin d'un personnage... réaliste, mais les gens y croient. Les gens y croient. Pourquoi ? Parce qu'ils y retrouvent ce que on pense qu'un noir vit, ce qu'on pense qu'une personne noire doit vivre ou doit traverser. Donc c'est assez terrible. Ça met très souvent mal à l'aise, ça dérange, mais ça dérange parce que pour le coup, ça désorganise. Toutes les catégories de pensée et de production, et c'est vraiment intéressant. Et puisqu'il y a plusieurs écrivains dans ce livre, puisqu'il y a une mise en abîme encore une fois, et ben nous on a aussi plusieurs rôles en tant que lecteur. On est lecteur, on ne lit pas qu'un seul livre, et on ne lit pas qu'une seule langue d'ailleurs, parce que il passe du registre très soutenu, très poétique ou très scientifique à un registre très bas, très grossier, très vulgaire. Du coup, c'est vraiment une lecture totale. Et c'est une lecture même... on est un peu... Enfin, je trouve que c'est une expérience même ontologique parce qu'on passe comme ça par plusieurs étangs, par plusieurs êtres, par plusieurs façons de penser. Et on vit l'aliénation qui le... C'est crucial. Et je pense vraiment, pour moi, ça fait partie d'un des livres qu'il faut lire, qu'il faut avoir lu une fois, et qu'il faut peut-être même relire. Parce que c'est un livre de santé sociale. ça permet de remettre les points sur les i, ça permet de se rappeler que lorsqu'on ne fait pas partie de la catégorie dominante, de la catégorie blanche, on n'est pas lu de façon neutre. Voilà, on n'est pas lu de façon neutre. Comme si... On fait comme si le dominant était neutre. Un peu comme dans la langue française d'ailleurs. On fait comme si le masculin était neutre. Mais ce n'est pas neutre. Quand j'étais assistante d'éducation, pionne, j'étais dans un lycée que j'avais préalablement fréquenté d'ailleurs et qui... où on va dire qu'il y a peu de personnes, enfin peu d'élèves immigrés, eux-mêmes immigrés ou dont les parents ont immigré d'Afrique. Et un jour, un des élèves s'est battu. Il s'avère que c'était un élève noir de peau. Et vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il se batte.
garçon très sage. Et il m'a dit, mais en fait, tu peux pas comprendre ce que c'est que le fait qu'on te rappelle que tu es noir tous les jours de ta vie. Et du coup, parfois, bah, tu craques. Voilà. Et là, il a craqué. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que je pense que ce livre est un bien d'ordre public. Parce qu'il permet justement de se rappeler ça, en fait. D'avoir toujours en tête que les personnes, souvent, nous jugent non pas sur ce qu'on dit, mais sur qui on est. Surtout quand on est issu d'une minorité. La pseudonymie, et d'ailleurs c'est aussi ce que je disais la dernière fois pour Romain Gary et Yasmine Hardala, ça permet une certaine forme de neutralité. Sauf que la neutralité, ici, elle vient avec une neutralisation. Une neutralisation de soi, une neutralisation de son identité et du coup d'une aliénation. Et c'est injuste. Ce livre nous permet de voir qu'il y a un écrire blanc, qu'il y a un écrire noir dans l'inconscient collectif, que le on heideggerien s'attend à ce que on écrive d'une certaine façon, à ce qu'on dise certaines choses, et que souvent les propos qu'on va dire vont être déformés à partir de ce biais, à partir en tout cas de ce biais raciste, parce que c'est ça, que chacun a, peut-être moi même la première. Donc voilà. Vous dans la prochaine vidéo et après un défi, enfin plus ou moins défi, plus ou moins lancé par, enfin que François Bon m'a plus ou moins lancé, je parlerai d'Asia Djebar. Voilà, bonne fin de journée et bon début du deuxième cycle confiné.